La seule chose que j'aimais, c'était l'art. Je voulais tout le temps dessiner. Les jeux vidéo, c'était comme un rêve que je pensais pas pouvoir réaliser. Et j'avais un intérêt pour l'art, mais aussi pour le côté technique. J'ai commencé à faire des jeux en une seule fin de semaine. C'est là que je me suis dit, ça serait malade de le faire avec une plus grosse équipe. En tant qu'artiste, dans un domaine technologique, t'as vraiment l'embarras du choix. De voir que je puisse donner vie à un objet, c'était comme l'étincelle. C'était une partie de moi que je venais de découvrir.